je l'ai lu, mais je l'ai. Ok, la Newton Confirm. Ah, tiramisu. Tiramisu, tiramisu. Papa, Benoît et moi. Bye bye. Chambre 203. Il y a très peu de vocabulaire. Attention. Voilà. Et, comme Hari, c'est le jour. Yeah. Mata Hari, c'est le soleil. Mata Hari, soleil. Oui, papa. The nice Hari. Oui. Le jour soleil. Very dangerous. Very dangerous. Alors, two reasons why I don't want to get doctor. First, I don't like other people. You don't like other people. No. So, when you have to be doctor, you have to like people. Oui. All. I hate people. on the second reason is money, because to be a general doctor, you don't make money, so you have to make business to make money. Tu n'es pas un homme riche, mon père. Parce que when you are a doctor in France, nothing to see with America. With Indonesia, example. Ouais, voilà. Ça n'a rien à voir avec les États-Unis, le truc et tout. Hein. Quand tu es docteur. Hey, you speak like me. Donc, like Trump. Do you like Trump? Yes, I do. America first. America first. N'empêche que c'est ce Fred Daniel. C'est ce con d'Obama, à force de se foutre de sa gueule, qui l'a foutu sur le trône. C'est Obama qui rigolait. Ah oui, il s'est foutu de lui en disant il est sourd, il n'est même pas certain qu'il y ait un homme qui a marché sa gueule lui. Non, mais c'est ça. Il s'est foutu de sa gueule. Ah, il s'est foutu de sa gueule. Et l'autre, il dit comme ça. Et comme il n'y a sur rien. Hein, ah, ben, ils veulent l'assassiner verbalement. Et au Mesturet, dans le restaurant à côté de mon bureau, j'ai gagné 100 euros par client parce que j'étais sûr qu'il passerait Trump. Tout le monde, s'est foutu de ma gueule. Le lendemain, je suis passé pour mes 100 euros. J'ai fait un pari avec une quinzaine de clients que Trump. Je payais si je perdais. J'ai maté toute la nuit le truc, et à 4h du mat. Si je comprends rien, c'est de ta faute, hein, si Trump est en place. J'ai participé. L'important, c'est de participer. Et donc, à 4h du matin, lorsque j'ai vu que la Floride était remportée, je suis allé me coucher. Ah, oh, t'étais sûr. J'ai bien dormi. J'ai gagné 1000 et quelques balles. Les mecs étaient verts. Et donc, comment tu savais? J'ai dit, à force de se foutre de la gueule des minorités et de penser que nous sommes supérieurs, eh bien, ce sont les minorités qui l'emportent. Ça s'appelle le populisme. Oui, c'est une logique. Implacable, Charlie. Oui. Implacable. Mais qui jouait avec toi? Mes amis avec lesquels j'ai déjeuné tous les jours dans notre cantine à côté de mon bureau, j'ai fait un déjà à Paris. Je toussais un peu parce que c'était bien avant, quoi. Mais quand j'avais vu sa gueule en fait dans les dîners présidentiels à Washington, où tous les richissimes, les sénateurs, les trucs étaient morts de rire et tout, et lui était comme ça, parce que tout le monde se souvenait de sa gueule. Tu l'imites bien, hein. Oui, c'est ça. Au niveau de la bouche, c'est pas mal. Je me suis dit, l'autre, c'est un teigneux, il va rien lâcher, il va l'enculer. Et ça n'a pas loupé. Donc j'ai fait un pari, deux paris, trois paris, quatre paris, dix paris, quinze paris. À la fin, passez-moi la monnaie. Ils ont tes paroles, les gars. Tous, ils ont tous payé. Après, j'étais là, ta gueule, ils me disaient, ta gueule. Et c'était combien l'enjeu? 100 euros.
Oh merde, dis donc, t'as gagné ta vie là, ce jour-là. J'ai gagné ma vie ce jour-là, grâce à Trump. I love you, Trump. Moi, je trouve que c'est un mec vachement dangereux. Ouais, mais bon, vu que les gens sont cons, je suis navré. J'ai misé sur la connerie des gens, et je me suis pas trompé. Non, mais mec, qu'est-ce qui fonctionne? C'est le repli sur soi. C'est l'économie de guerre ou l'économie nationaliste. C'est pas compliqué à comprendre. America first. Ben oui, c'est pas compliqué à comprendre. Hitler, comment a-t-il fait? Voilà, économie de guerre. Le pays, qui sort régulièrement. On est passé à ça, Hitler. Parce que je peux dire que je suis passionné d'histoire. Tous les top secrets qui s'ouvrent, là, les V3, les trucs, les armes qu'on ne connaît pas et tout, on était à 2 mois près que la guerre soit balayée. Papa. Mon père est retraite, how old? C'est 60 ou 65? Non, à quelle heure tu as pris de retraite? À quel âge retraite, tu as pris de retraite? 65 ans. 65. Yeah, oui. 65 ans, right? Sometimes 60 ou 65 ans, c'est fini. When you retraite. Pay, when you pay tax, like a doctor, you pay tax all the time. All the time you have to work very late to pay tax. Tous les médecins vont jusqu'à 65 ans. All doctors goes minimum until 65 years. Oh yeah, 65, because they say the retraite sometimes 60 until 65. No doctor. 65, all doctor has to work late because many years of study. Yeah. 8 years, 8 ans d'études. I know not only doctor when I talk, not only doctor. I mean, who people stay in France when they working? 62 until sometimes 60 start 62 until 65 they are a road trip. Train drivers. Yeah, it's not only. It's SNCF. Not, yeah. 55. When I spoke, it's not only for doctor. I mean, like in general. Now it's gonna be with Macron, with Emmanuel Macron, the new president. It's gonna be later for everybody. Oh yeah, because we learn about the same retreat for everybody. Everybody. Yes. Yeah, for general, army people retreat. Or SNCF people, sometimes 57. Sometimes 57. 57, sometimes 57. Well, 57, in 7 years, I will stop working, so I hope. Yeah, up to you, I mean, you know, because Papa is not like, you know, we need to talk about general. No, but it's not that, I can stop working, je peux arrêter de travailler when I want, quand je veux. Yeah, parce que papa is not like, mais you are not employee, you are patron, you are like patron, that's what I mean, you know. Exactly. When like, we talk about like employee, you know, like, when they are retreat, soixante, soixante-cinq. But when you are patron, up to you, even you are quatre-vingt-deux, like papa, quatre-vingt-tiang, if papa patron still want to work, no problemo. But I will die with working. What can I do? I don't know. I'm not gonna look at the gazon, at the grass to grow up in my garden. I have to work. Yeah, if you are malad, how you can work? I'm not malad. If you one day, every day you will be malad. No, look, no, papa. No. But you will push my green shirt. You will push my green shirt. Tout ça sort, c'est pas... Ça veut dire, en premier siècle de notre ère, maîtresse de maison. Yeah. Jadi, papa tinggal di sini. Karena papa sudah pensiun. Papa mantu dokter umum. Yes. Kamarnya papa di sana.